Demande de nouvel opérateur. Feu vert pour recherche et destruction. Opérateur Blackbox 1CF9. Veuillez vous éloigner de votre chair. Quartier éloigné. Reprise du déploiement de l'opérateur. Demande de nouvel opérateur. Ne paniquez pas, je suis un opérateur de sauvetage. Établissement du contact. Opérateur Blackbox NCN9. Prêt au déploiement. Veuillez vous éloigner de l'ouverture du déploiement de l'opérateur. Demande de nouvel opérateur. Opérateur Blackbox NCN9. Prêt au déploiement. Veuillez vous éloigner de l'ouverture. Demande de nouvel opérateur. Opérateur Blackbox NCN9. Prêt au déploiement. Veuillez vous éloigner de l'ouverture.
Vous savez où est Price ? Quoi ? Il a encore loupé son tour de garde ? Il répond pas au transcribe. J'ai même demandé à Abigail de passer à sa cabine avant de venir. Cette fois, les RH vont rapatrier son cul sur Terre, ça va pas traîner. Il était déjà sur la sellette. Je trouvais qu'il se débrouillait bien avec le Naltrexone et le suivi du Dr. Cole. Je vais demander à la sécurité de le retrouver. J'espère qu'il va bien.
cercle de la cible. Aucun matériel Typhoon détecté.
Ah!
Attention, empoisonnement ou radiation détectée. Veuillez vous soigner. Yo, y a quelqu'un? Je suis dans le module avec Emanuela De Silva. Nous sommes coincés dans la rampe de lancement. La trappe située à l'extérieur est censée s'ouvrir au lancement du module. Mais les verrous se sont grippés. Vous pourriez nous aider? Vous allez devoir sortir pour débloquer la trappe depuis l'extérieur. Je sais que c'est beaucoup vous demander, mais j'ai pas d'autre solution. À part attendre là et mourir de faim. Vous trouverez une commande manuelle derrière le panneau pour forcer le lancement du module. Mais surtout, n'appuyez pas dessus avant d'avoir ouvert la trappe, ou nous nous écraserions dessus. Je travaille au fret. Je dois vous avouer qu'on vous a volé, monsieur. J'ai commencé petit, par de la contrebande de peu de valeur depuis la station, des médicaments, de la nourriture non autorisée. Vous payez peut-être pas assez vos décos du département technique, je sais pas moi. Mais Lily a fini par avoir les yeux plus gros que le ventre. Elle a commencé à voler des neuromodes, des plans de fabrication, et elle les revendait aux concurrents de Transtar. Voilà. Je vous laisse une seconde pour assimiler ça, Docteur Yu.
Kasma connaît nos protocoles maintenant. Lily m'a fait modifier certains des vieux boîtiers d'alarme de Talos pour en faire des caches. Je suis sûr que quelques-uns contiennent encore du matériel de la société. Il faut taper dessus 3 fois avec une clé à griffe pour les ouvrir. Enfin bref, je voulais juste vous dire, j'imaginais pas que ça déraperait à ce point. Les choses nous ont échappé. J'aimerais réparer mes erreurs par tous les moyens. C'est tout. Identification, capteur stable. Énergie suffisante. Actionneur stable. Gestion de l'individu. Veuillez vous éloigner de l'ouverture. Ah! Reprise du déploiement de l'opérateur. Thank you.
Microgravité détectée. Thank you.
Attention en bas. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lentement. Merci, Morgan. Vous nous avez sauvés, malgré Franck. Je l'oublierai pas. Je vous transmets la localisation d'un élément qui pourrait vous aider. J'ai pas pu le sortir de la station, mais il vous sera peut-être utile.
entendu ça? Ouais, j'ai entendu. Envoie un opérateur. J'ai pas attendu pour le faire, Nils. Il répond pas. Ah, y'en a aucun qui répond. C'est ces trucs? C'est ces trucs qui ont bloqué l'air? J'en sais rien. De toute façon, c'est pas grave, hein? On a plusieurs heures avant de manquer d'air. Non, Nils. Le système s'est inversé. Il aspire l'oxygène. On a 10 minutes. Max. Quoi? Mais... Scan de la cible. Aucun matériel alien détecté. Commandant Dahl, ici William Yu, président suppléant du conseil d'administration de Transtar. J'ai besoin de vos identifiants pour autoriser cette mission. Bien sûr. Mes identifiants sont Zeta Invictus, empereur mandarine. Ça correspond. Bonjour, directeur Yu. La navette est en orbite et prête à l'emploi. J'attends les paramètres de la mission. Vous devez sécuriser toute technologie et recherche de niveau d'habilitation Cobalt sur Talos One. Ensuite, éliminer tout le personnel de Transtar. Tout le personnel? Aucun survivant. C'est vous qui décidez. Et ce sont eux qui meurent. L'argent sera transféré sur 6 comptes différents au Benelux dès que vous aurez fourni une preuve du succès de l'opération. Je laisse tourner la diffusion de mon opérateur. Profitez du spectacle. Nous vous recommandons de déployer préalablement votre technicien dans le pare-feu d'un routeur de la station. Idéalement, dans les laboratoires techniques. Oui, j'ai vu les plans, Monsieur Yu. Au revoir. Veuillez supprimer cette transmission.
scan de la cible. Aucun matériel Typhoon détecté. Je vois que mes opérateurs sont planqués dans les frais de RH dans les registres de Transtar. C'est vrai que je résous les problèmes des gens. Vos collègues cachés dans la zone de fret vont mourir asphyxiés dans quelques minutes. Vous pouvez peut-être les sauver. Mais pour ça, le rat que vous êtes va devoir sortir des murs. Système de support de vie. L'heure tourne. Morgan. Dal a coupé l'oxygène dans la zone de fret. Il n'y a rien que je puisse faire d'ici, et aucune des portes ne fonctionne. La salle de contrôle de l'atmosphère se trouve dans le système de support de vie. Si vous pouvez nous aider, faites-le vite, ou cette conversation sera notre dernière. Madame Elazar a raison d'être inquiète, même si son hypothèse est erronée. Dal manipule le mélange oxygène-azote. L'azote répandu dans l'atmosphère asphyxiera les personnes présentes dans la zone de fret bien plus vite que s'il avait simplement coupé l'oxygène. Je pense qu'il serait déjà mort si Dal ne se servait pas d'eux pour vous manipuler. Voyons voir comment Morgan va réagir à ça. Tu as réussi à mettre le... Morgan, vous avez réussi. J'organiserai son transport avec un opérateur médical. Nous tenterons ensuite de retirer son neuromode et, avec un peu de chance, de gagner sa navette par la même occasion.
Morgane, l'air est revenu à la normale. Je peux respirer. J'espère que ça veut dire que Dal, lui, ne respire plus. Merci. Encore un peu et nous allions... oublier ça. Et Lazare, terminé.